côté d'un examen très précis, exhaustif, technique de l'œil, il faut bien connaître l'esprit psychologique, la psychologie du patient, et lui expliquer qu'il y aura une, ce qu'on appelle une neuroadaptation, c'est-à-dire que l'opération étant faite, l'œil va guérir, d'une part, mais le cerveau va s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Et cette nouvelle façon de voir peut être rapide, moyenne et lente. Et il faut bien expliquer que si bien même au départ, il y a des petits problèmes d'adaptation, de rapidité, avec le temps, ça s'arrange toujours. Mais le patient doit être vraiment bien préparé psychologiquement que ce n'est pas, disons, une opération qui est faite comme pour tout le monde. Il faut choisir un patient qui a un caractère cool, qui s'adapte, qui veut s'adapter. Et quand vous avez bien préparé votre patient, ça donne un résultat extraordinaire.